Bonsoir à tous, bonjour à tous, on est en direct du Lazaret d'Ajaccio pour vous faire suivre les répétitions du premier concert de Jazzy Nayach, un concert organisé donc par Jazzy Nayach avec le conservatoire Henri Tomasi d'Ajaccio. Alors vous voyez, hein, on a un orchestre ici du conservatoire Henri Tomasi avec une école de danse et on fait les dernières répétitions avant le concert de ce soir. Un concert qui est gratuit, on va aller voir André Paoli du conservatoire d'Ajaccio pour une petite interview. Voilà, André Paoli qui est avec nous. André Paoli, bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous un peu ce que ça va être ce concert. Alors ce concert, c'est un projet autour de la danse et de la musique. Voilà, nous avons fédéré à la fois les danseuses et les musiciens pour ce bel endroit au Lazaret afin de proposer ce concert chorégraphique et musical. Les musiciens du conservatoire Henri Tomasi et les danseuses, des danseurs. Danseuses, c'est une chorégraphie de Vanessa de Perrette, ce sont les danseuses contemporaines du conservatoire. Donc expliquez-nous cet orchestre, vous avez répété tout au long de l'année, vous avez préparé ce concert, comment ça se passe? Alors ce concert a été préparé effectivement tout au long de l'année. Il faut savoir que nous avons déjà 8 concerts à notre actif, donc c'est déjà bien pour le mini-big qui est né l'an dernier. Et pour la petite histoire, au départ, le mini-big, c'était 10 musiciens, et c'est pour ça qu'on l'appelait le mini-big. Puis on a réussi, évidemment, à fédérer énormément de musiciens du conservatoire, au-delà même de mes espérances. Et puis donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à 25 musiciens. Et c'est absolument génial, parce que nous produisons sur tout le territoire, grâce entre autres à l'association Jazzy Nayach, qui nous aide à travers son mécène, qui est très important, à la fois pédagogiquement et artistiquement pour nous. C'est un concert gratuit? C'est un concert absolument gratuit. Il suffisait de retirer les places à l'office du tourisme. Est-ce qu'il y a une pointe quand même de stress pour les musiciens qui vont se produire ce soir? Alors évidemment, pour la plupart, ce sont des élèves. Pour la plupart, ils se sont produits que 8 fois cette année sur scène. Il y a des jeunes et des moins jeunes, évidemment. Ils sont encadrés par quelques professeurs également. Mais il y a une pointe de stress. Mais je pense que le stress est surtout pour moi, parce que de les avoir amenés ici sur cette scène de Jazzy Nayach, ce n'est pas rien et c'est également une fierté, mais je suis partagé entre émotions fébriles et évidemment le stress. On a des profils de musiciens bien différents? Alors tout à fait. Vous avez quelques professeurs du conservatoire, professeur de trompette, monsieur Laurent Labbé, qui est ici derrière nous. Voilà, il fume sa cigarette. Voilà. Nous avons également monsieur, je dirais Adrien Ledoux, professeur de saxe, qui est ce soir au trombone dans notre formation. Et puis nous avons quelques éléments extérieurs au conservatoire. Je parle dans la personne de Tony Fallon, qui vient nous aider tout au long de l'année. Musicien de renom. Musicien de renom, évidemment, et monsieur Jules Marianne, etc. J'en passe. Aussi des jeunes prodiges, on pense à votre fils notamment. Oui, Sandro, Paoli de Mantis, qui évidemment se produit avec le Big Band ce soir. Mais aussi Nicolas, il y a 6 batteurs, 7 batteurs, il y a des filles, etc. On avait fait un reportage avec Sandro Paoli il y a quelques mois. On avait vu un jeune prodige qui avait gagné notamment un concours international. Oui, Sandro a gagné un concours à Paris en 2018. Pardon. C'était un concours international. Et puis, on a eu la chance et la joie de le voir. De le voir médaillé à ce concours. Et ce soir, ça l'encourage d'autant plus pour venir dans ce bel endroit. Sur le concert de ce soir, combien de morceaux vont être joués? Je pense que ce sera environ 16 morceaux, donc c'est quand même un répertoire assez conséquent. Et avec un répertoire évidemment éclectique. On va avoir salsa, bossa nova, jazz, blues, rhythm and blues, variété française et internationale. On va vous laisser peut-être répéter encore un petit morceau, peut-être pour conclure un petit morceau, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Pour conclure, eh bien, on va se faire Superstition de Stevie Wonder. Bon, parfait, merci. Donc vous l'avez entendu, hein, André Paoli du conservatoire Henri Tomasi, qui continue de répéter pour le concert de ce soir, un concert gratuit hein, avec des invitations qui ont été retirées à l'office du tourisme. Vous voyez, donc c'est un grand événement ici ce soir pour le festival Jazzy Nayach. Donc on va essayer d'aller écouter un morceau pour conclure ce live Facebook
Et n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook de Jazzy Nayach, notamment le programme de cette année, avec comme chaque année des têtes d'affiche. Donc on va aller voir un petit peu, on va aller écouter un dernier morceau qui va être répété avant le concert de ce soir, et on se quitte là-dessus. Donc ça prend un peu de temps parce qu'il y a quelques réglages techniques à faire, mais on va entendre très rapidement ce morceau Superstition. Avec, vous le voyez là, Sandro qui se prépare au piano. Il savait pas, non. C'est pour ça que je lui ai fait. Excuse-moi.